Bienvenue au rendez-vous de santé numéro 2 à la Baraque AZM. Aujourd'hui, nous allons confectionner une crème de jour bio. Donc, tu peux nous redonner la liste des ingrédients qu'on sache. Alors, aloe vera, huile d'olive, hydrolat. Je vais faire l'hydrolat tout de suite. Donc, je mets la menthe. Donc, là, c'était de la menthe sèche qui me restait de mon jardin. Ouais, je vais ça. Et je vais remplir à fond. Est-ce que tu veux faire passer les petits pots et chacun fait son mélange en passant les ingrédients? Et après, pour celui qui veut ajouter l'huile essentielle, pour réguler le sébum, les peaux sensibles, anti-rides. Ça marche. Alors, sauce là-haut, dis-nous ce qu'on va faire en deuxième. Alors, un nettoyant multi-usage, dégraissant, nettoie tout. Pour ça, on récolte les écorces d'agrumes, donc orange, pamplemousse, citron, enfin voilà, toutes les agrumes. On en met un petit peu, donc on peut le remplir. Mais ouais, si on n'a pas d'écorce d'agrumes, de l'huile essentielle de citron, ça marche. On a. Tu peux l'utiliser tout de suite. Et du coup, tu peux l'utiliser tout de suite. Parce que là, il faut laisser la série deux semaines. Là, l'idée, c'est de remplir à ras, quoi. Donc là, c'est bon, je pense. Là, quoi, je pense que c'est bon. Voilà, on ferme. Et on met dans un placard à l'abri de la lumière pendant deux semaines. D'accord. Et là, comme ça, ça va. Le vinaigre va aller sur le citron et du coup, les vertus du citron antibactérien, tout ça, ça va ressortir. Il faut laisser un peu passer.